Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors avant de vous présenter ce glitch, je vous demanderai juste de vous connecter tous les jours une fois ou deux sur la map Race Color Switch que vous voyez à l'écran. Donc le code de la map sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous aider. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde se connecte au moins une fois par jour, voire deux, tous les jours, pour qu'on puisse débloquer l'XP sur cette map créatif et pouvoir vous proposer de meilleurs glitchs d'XP, genre gagner 5, 10, 15 niveaux en un seul glitch. Donc voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous aident à débloquer l'XP sur cette map. Donc le code sera en description, en commentaire épinglé. Alors pour le glitch de cette vidéo, le code c'est 59058014673. Ensuite vous acceptez et vous validez. Donc, ensuite vous lancez la partie en privé bien entendu, et pendant que la partie se lance vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, rentrer le code SCM en minuscule ou en majuscule. Merci à tous ceux qui le mettent, franchement ça soutient à fond la chaîne, c'est pas obligatoire mais merci quand même à ceux qui le mettent. Il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Alors par la même occasion, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et à mettre un petit commentaire pour le soutien. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors ensuite, quand vous êtes dans la map, vous appuyez sur option, vous allez dans menu lancer le jeu. Voilà, vous attendez que le jeu se lance. Et là, je vais vous présenter plus ou moins 4 glitchs. 4-5 glitchs. C'est des petits glitchs, mais bon, ils sont faciles à faire, ça rapporte un petit peu d'XP. Donc c'est toujours ça de prix. Surtout que les XP en mode en saison 3 sont assez compliqués à obtenir. Donc ici, vous sortez du spawn, vous allez au fond à gauche comme je suis en train de le faire et vous allez devoir construire pour aller tout en haut du coin là-bas. Donc comme je vais le faire de toute façon, hop, vous construisez, vous montez, voilà. Vous montez jusqu'à l'avant, enfin jusqu'au dernier carré. Ensuite, vous regardez dans le coin en haut. Et là, il y a un petit bouton. Vous cliquez dessus et là, vous êtes téléporté dans une secret room. Vous cliquez sur le personnage et là, vous allez gagner des XP. Regardez, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 12000. Voilà, 12-13 000. J'ai pris 12-13 000 XP rien qu'avec ce bouton, c'est déjà pas mal du tout. Alors ensuite, le deuxième glitch, c'est au fond à droite. Donc, vous volez jusqu'au fond à droite. Donc, le premier glitch était là. Le deuxième glitch, c'est là-bas. Et là, il faudra pas monter, c'est juste sur le sol. Donc, en bas du sol, en bas des carrés. Donc, vous courez jusque là-bas. Et au fond... dans le coin en bas, juste ici, il y a un petit bouton secret XP. Vous interagissez avec et là aussi, ça va vous donner des XP. Donc là, 1000, 2000, 2005, 3000, 3005, 4000, 5000, 5005, 6000, 6005, 7000, 7005. Ouais, 7000 ou 7005 XP, c'est plutôt pas mal aussi. Alors ensuite, le prochain... glitch, c'est... c'était au spawn. C'est pas grave, je vais vous en montrer un autre en attendant. On va aller sur celui de gauche. Donc là, il y a les deux glitchs. Ici à gauche, il y a une petite entrée pour kill des zombies. Vous allez ici. Ensuite, à côté du mot exit dans le coin, il y a un petit bouton secret. Vous interagissez avec. Et là aussi, ça va vous donner des XP. Donc là, 1000, 2000... 2006, 3003, 4000, 4006, 5000, 3, 6000, 7000, 8000, 9000, ouais, voilà, plus ou moins 9000 XP avec ce glitch. Alors ensuite, le prochain glitch, c'est ici, près des récompenses. Donc vous montez au-dessus, vous allez dans le coin juste ici, vous interagissez avec le bouton Secret Room, ça vous téléporte ici, vous montez à l'étage,
Donc par ici, pas par là, hein. Par ici, hop. Ensuite, vous allez au fond et ici en bas, il y a un bouton Secret XP. Vous interagissez avec, parfait. Là aussi, ça va vous donner pas mal d'XP. 2000, 2007, 3004, 4000, 4008, 5005, 6002, 6008, 7000. Ouais, 8000, plus ou moins 8500 XP en plus encore. Alors ensuite, le dernier glitch, donc il y en avait 5 au total, hein, je vous ai montré 5 glitchs ici. Donc le dernier glitch, ça se passe près de la Propon Room. Donc, juste ici, vous descendez. Voilà, vous rentrez dans la pièce, vous courez, vous allez sur la gauche, dans la première porte ici, encore la porte à gauche, encore la porte juste en face. Et là, vous interagissez avec le bouton secret. Et là aussi, vous allez gagner des XP, donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, voilà, 5000, 6000, 6000, 6000 ou 7000 XP. Donc au total, je vous ai présenté 5 glitches avec plus ou moins 8000, 7000 d'XP. Donc ça fait 7, 14, 21, ça fait 35, enfin ça fait 35 000 à 40 000 XP rien qu'avec ce glitch. Donc si vous utilisez la petite technique secrète que je mettrai en description en commentaire épinglé, donc c'est une technique qui va vous rapporter 5 fois plus d'XP avec chaque glitch, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sera en description en commentaire épinglé pour gagner 5 fois plus. Donc si vous avez gagné 40 000 XP ici, avec le glitch vous ferez 5 fois 4, 40 000, ça fait 200 000 XP, donc ça vous fait plus ou moins 3 niveaux de gagner en un seul glitch. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.